Bonjour à tous. Alors là, on est le lendemain de la soirée du 18. On a battu que de 20h à 23h. Bon, 23h, c'était un peu chaud. Fallait la frontale parce que Titine a juste ça, le dé là-bas qui marche. Mais ça marche plus. Et je peux vous dire que c'est pas facile à battre à la frontale. Mais bon, l'important, c'est ça. Ce qu'on voulait faire, on fait pas trop propre. Enfin, si quand même c'est propre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu de balle. Mais bon, j'ai pas fignolé les réglages. C'est tant que ça perdait pas de grain, que ça le cassait pas. Parce qu'avec cette chaleur, c'était pas évident. Et au 18 juin, couper du blé, c'est quand même inédit. Vous voyez, il est à peu près bon. Et j'en ai d'autres dans la trémie. On va essayer de pour se casser la gueule. Il y avait prévu en fait des orages cette nuit, et en fait ils ont été à 5h du matin pour me réveiller. Et vous voyez, là c'est une autre variété qui est dedans, hein. Les grains sont pas pareils, mais bon, le grain est pas chaud comme comme ce qu'on peut collecter en journée. Celui-là, il paraît un peu moins bien battu. Je sais pas, ça revenait une humeur hier soir. Mais bon, ça le fait quand même. Et là, je vais avoir une petite tonne là, dans la trémie. Une petite tonne, parce que là, bien pleine, une tonne 5. Après, on en a mis dans la grosse. J'en ai mis deux trémies. Et là aussi deux trémies. Dans le coup, c'est pas facile à estimer le rendement. J'ai dû en couper, bon, 1,30 hectare, 1,5 hectare. Je sais pas trop. Mais je pense que les vents. Je devais pourtant régler à 3/4. Et vous voyez ce qui est embêtant avec les vents. Merci la poussière. J'étais chouette hier soir, mais le seul défaut que ça a, c'est que ça se bouche un peu, ça. Et hier soir, en dernier temps, j'ai chopé une pierre. Je peux vous dire que ça a racassé dans le batteur. J'espère que ça n'a pas fait de conneries. Bon, normalement c'est des platins. Et il y a un bac à pierre ici. Et vous verrez dans la vidéo, à un moment donné, il y en a une qui s'est coincée dans la coupe. Et je vous ai parlé des règles de sécurité quand même. Parce que c'est important de. Oh, ta gueule la tourte là. C'est important de bien travailler en sécurité, parce que des fois peut vite arriver des entourloupes. Et bon, là je crois qu'on va pouvoir continuer à couper. Titine comme ça va couper un peu de blé. Je pense qu'elle va couper 3 hectares. Oh non, même 4 hectares hein, qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Comme ça vous aurez les petites vidéos. Là, ça sera plus vue cabine, parce que ça grouillait, jurgeait, et puis au final pour 0 mm. Mais bon, c'est comme ça. On met en route le système de battle. On accélère.